Le pas que nous faisons pour saluer notre voisin est un signe de la fraternité, dit un proverbe africain. L'archevêque métropolitain de Bangui, son éminence Dieudonné cardinal Nzapalayenga, au bord de son véhicule chargé de colis de vivres, arrive au kilomètre 5 de Bangui. Il est accueilli par le bureau du Conseil supérieur islamique de Centrafrique. Après les salutations d'usage, il leur exprime l'objet de sa visite. Je suis venu au kilomètre 5 parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont ici. Et nous avons des frères et des sœurs depuis quelques jours qui ont commencé le ramadan. Tant de jeûnes, tant de prières. Et je pense que c'est un moment opportun pour ne pas dire une chance que Dieu nous donne de vivre la fraternité. Et je viens pour manifester la proximité de l'Église catholique, de l'Église chrétienne, hein, à nos frères en leur disant, vous commencez un moment important, moment de prière, moment de jeûne, que Dieu vous renforce, vous donne la force, vous donne surtout de tenir. Pour cette démarche de fraternité, l'imam Wasilégué s'exprime. Nous remercions beaucoup le Seigneur qui nous a réunis aujourd'hui pour cette occasion dont notre frère, notre cher aimé, le cardinal Dieudonné Nzapalayenga est venu nous remettre quelques colis à l'occasion du mois de Ramadan de cette année-ci. Nous témoignons que ça a toujours été comme ça durant les années passées. Nous prions le Seigneur de l'assister, de lui donner plus de moyens pour pouvoir continuer cette œuvre, non seulement sacerdotale, mais humanitaire. Et nous prions Dieu de nous donner, nous leaders religieux de Centrafrique, à travers la plateforme des confessions religieuses de Centrafrique, de nous donner les moyens nécessaires afin d'apaiser la souffrance de nos frères, de nos sœurs qui sont en train de souffrir dans l'arrière-pays, mais aussi ici à Bangui. À la suite de l'imam, Madame Hadja Rachida Mamba, vice-présidente du Bureau national des femmes musulmanes en RCA, et Monsieur Aroufai Abdelaziz, président du Bureau des jeunes musulmans en RCA, ont exprimé leur gratitude et ont souhaité que s'unissent davantage les communautés musulmanes et chrétiennes en RCA.